on est toujours pris au piège de cette monstrueuse tempête. C'est dingue. Le ravitaillement a dû être annulé et on sera bientôt à court de vivres. Le capitaine O'Para a donc prévu de nous faire hiberner. Allez, May, c'est l'heure de la cryostase. Déjà ? Oh, t'as une heure de retard. Je me dépêche. Je laisse tous les capteurs activés. Comme ça, à notre réveil, j'aurai tout un tas de nouvelles données à examiner. Désolé. Bye. Pourquoi est-ce qu'il fait si froid ? Debout, flocon. Réveillez-vous, les marmottes. Voyons un peu ces nouvelles données. Les fluctuations atmosphériques au-dessus de l'anomalie ont continué. Oh, c'est bien pire que ce qu'on avait prévu. Il faut immédiatement prévenir le QG. Mais d'où viennent tous ces enregistrements? Flocon, combien de temps avons-nous dormi? Quoi? Non! Overwatch serait venu nous chercher. Et les communications sont coupées. Quoi? Personne ne sait qu'on est ici. Une minute. Où sont tous les autres? Je pourrais sauver des millions de vies. Je vais dévoiler nos travaux au monde entier, mes amis. Enfin, je vais essayer. L'antenne est cassée. On ne peut pas transmettre les enregistrements. Jamais seul. Si seulement vous étiez encore là. Merci, Flocon. Au moins, je t'ai toujours, toi. Voyons si je peux faire durer les batteries un peu plus longtemps. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un message d'Overwatch sur la fréquence d'urgence. Quelqu'un sait peut-être que nous sommes ici?
flocons. N'attendons pas le dégel. Évidemment, c'était la dernière batterie. Comment j'ai pu ne pas y penser? Sans courant, on est foutus! Il doit bien y avoir un moyen. Réfléchis. Il me faut juste un peu plus de temps. Courant! Flocon! Quoi? Non! Flocon! Pourquoi? Merci, mon ami. Pour l'aventure!